c'est bon, on peut le choper en commun, c'est bon. Alléluia. Regardez au verset 16, il dit ceci. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Alléluia. Tu sais, moi, je me suis posé une question. C'est terrible. Vous avez Jésus qui est dans votre territoire. Vous avez vu son autorité. Il vient de chasser une légion de démons. Et ces gens disent, quitte, pars d'ici, nous ne voulons pas de toi. Je ne sais pas pour vous, hein. Si Jésus vient dans ma maison, je vais fermer la maison à la clé, je sors. Alléluia. Je n'ai pas envie de laisser partir Jésus. Alléluia. Wow. Alléluia. Tu sais, en tout cas, on va comprendre pourquoi ils ont chassé Jésus. Alléluia. Mais regardez ce que la Bible dit. Alléluia. Rien ne peut contrôler ton esprit. Si tu as choisi le Seigneur Jésus, alléluia. Si tu te dis qu'à partir d'aujourd'hui, moi je servirai le Seigneur, et rien ne va m'empêcher de servir le Seigneur, peu importe les obstacles, je déclare qu'un témoin en main ne peut pas t'empêcher de servir le Seigneur. Alléluia. Alors, ne me dites pas, alléluia. Ne me dites pas, non, c'est dur de servir le Seigneur. Écoutez-moi bien. Pasteur Lionel nous a raconté l'histoire. Écoutez, il y a plein de personnes qui viennent nouvellement maintenant, alléluia, dans nos églises. Si on vous racontait leur périple, vous n'allez pas croire. Certains font des dizaines de pays pour arriver ici à pied. Certains d'entre eux, ils traversent la forêt amazonienne à pied pour arriver ici. Hey, il y a un de quand il me racontait cela, mes larmes ont failli couler. Je lui dis, mais comment vous faites pour manger? Il me dit, oh, on a des biscuits et on a des jus en poudre. On a de l'eau et on boit avec cela. Certains disent, en marchant, on a vu des squelettes. Des gens meurent pour arriver ici. Alléluia. Hey, si des gens peuvent faire cela pour entrer dans un pays terrestre, moi je pense que quelqu'un peut faire bien plus que cela pour entrer dans le royaume de Dieu. Pour servir le Seigneur. Alléluia. Ne me dites pas que nous ne pouvons pas servir Dieu. Ne me dites pas non. Alléluia. Écoutez-moi bien. Si tu vas servir Dieu, tu vas vraiment le servir. Alléluia. Tu sais, la Bible dit dans 2 Corinthiens 14, car les armes avec lesquelles nous nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Alléluia. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Hey, si Paul peut dire cela aux Corinthiens, que toute pensée captive peut être amenée à l'obéissance à Christ, ça veut dire qu'il n'y a pas un esprit qui peut s'opposer à ton esprit, à toi. Si tu as décidé, alléluia, que aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je servirai le Seigneur, tu vas servir le Seigneur. Oh, alléluia. Waouh. Tu sais, il dit, oh Seigneur, regardez la réponse des habitants de la ville, au verset 7 de Marc 5. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontaient ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pousseaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Waouh. Seigneur, Jésus, pars, on ne veut pas de toi ici. Et je me suis dit, j'ai lu ça plusieurs fois. Pourquoi chasser quelqu'un qui vient de faire un miracle dans ta vie? Quelqu'un qui vient de faire, alléluia, qui vient de te montrer qu'il a l'autorité sur toute chose. Écoutez-moi très bien. Vous savez, l'amour de l'argent est en fait la racine de tous les maux. Vous allez comprendre pourquoi je suis en train de parler. Ces gens étaient des juifs. Et le porc est un animal impur chez les juifs. Comment se fait-il qu'ils étaient avec, ils étaient en train de perdre un troupeau de porc? L'amour de l'argent. Tu sais, écoute-moi bien, je ne suis pas là pour casser tes affaires. Mais si tu rencontres Jésus et que tu lui dis le péché, il va casser tes affaires. Oh, il va casser tes affaires. Écoute-moi bien, ne viens pas me dire, alléluia, que tu as eu un travail et que ce travail t'empêche de servir Dieu. Écoute-moi bien, si tu as un travail et qu'à partir de ce moment que tu as eu le travail, tu ne sers plus Dieu comme avant, il y a un problème. Ne me dis pas que c'est une bénédiction. Parce que si Dieu t'a béni, tu vas le servir encore plus. Alléluia. Si Dieu t'a béni, tu vas le servir encore plus. Alléluia. Il y a des gens qui n'avaient rien.
Alléluia. Ils sont venus dans la maison du Seigneur. L'Éternel a béni. Alléluia. Par un travail. Alléluia. Par une famille. Alléluia. Par des, je ne sais pas moi, par tout ce dont des maisons et toutes ces choses-là. Mais une fois qu'ils ont eu ces choses-là, tu ne les vois même plus servir le Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, laisse-moi un peu. Pas. Jésus est venu. Non. Ces troupeaux, ces porcs vont aller, vont se jeter eux même dans la mer. C'est pour ça qu'ils ont dit à Jésus, pars, parce que Jésus est venu garder leurs affaires. Amen. Amen. Nous ne voulons pas de quelqu'un qui va venir garder notre business. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux, l'église. Écoute-moi bien. Dieu bénit en passant. Dieu, il donne l'argent à ses enfants. Je ne suis pas un prédicateur de la prospérité. Écoutez-moi très bien. Mais je dis ceci. Si l'amour de l'argent, parce que tu es en train de chercher l'argent, t'empêche de bénir servir Dieu, cet argent est maudit. Ah oui. Je ne peux pas être béni par ça, pasteur. Pasteur, tu m'as dit, il y aura des millionnaires. Alléluia. Et il y a des millionnaires dans la maison du Seigneur. Mais cet argent va bénir l'œuvre. Alléluia. Cet argent va bénir l'œuvre. Tu as tellement béni tellement de monde ici. Alléluia. Il fut un temps où les gens achetaient des maisons comme des petits pains. Amen. Et ce n'est pas des gens qui font beaucoup d'argent. Alléluia. Mais tu sais pourquoi? C'est parce qu'ils ont mis la priorité à la bonne place. Ils ont commencé à adorer Dieu. Ils ont servi Dieu. Et Dieu donne ceci à ses enfants. Il a dit ceci à Israël. Quand tu vas être dans la terre promise, quand tu vas manger jusqu'à ta satiété, quand tu vas occuper des maisons que tu n'as point bâties, et toutes ces choses, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Je t'en prie, l'Éternel. Alléluia. Je veux servir le Seigneur. Alléluia. Notre problème n'est pas un problème de finances, ni un problème de santé. Il y a des gens qui étaient malades, dès que Dieu a guéri, ils ne sont plus dans la maison du Seigneur. Alléluia. Il y en a qui cherchaient un mari, Dieu a donné le mari. Dès que le mari est là, ils ne sont plus dans la maison du Seigneur. Il y en a qui cherchaient une femme, la femme est arrivée, et dès que la femme est arrivée, il y a plus, on n'est plus dans la maison du Seigneur. Il y en a qui voulaient des enfants sont arrivés. Finalement, on n'est plus dans la maison du Seigneur. Finalement, tu veux quoi alors? C'est normal que quand Jésus vient, tu vas lui dire, Jésus, parle un peu. Mais écoute-moi très bien, alléluia, nous ne sommes pas de cela. Nous ne voulons pas tout ça. Mais nous voulons Jésus qui est capable de nous donner tout ça.